Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur l'aventure bizarre de Jojo dans le monde des stands. Et plus précisément, bon, c'est un jeu Jojo Roblox, hein, vous en serez douté, il y a Jonathan juste ici. Il y a littéralement la map du manoir de Jojo Ice of Heaven, si je ne me trompe pas. J'y ai joué, un moment, quelques temps, pas longtemps en réalité. C'est pas important, mais donc ce jeu de souvenirs, on va commencer directement parce que il était plutôt cool de souvenirs. Il y avait des cinématiques quand tu frappes les ennemis, il y avait des effets stylés, il y avait des donjons, l'XP était pas trop long et j'avais d'ailleurs je crois pipé ça parce qu'il y a beaucoup de jeux Roblox où juste tu finis le jeu en genre 500 heures. Et soyons honnêtes, étant désormais un adulte dans la vie active et tout ça, vie active, surtout j'ai des études à côté donc je suis pas encore dans la vie active. N'empêche que étant adulte, sa mère t'as pas le temps de claquer autant d'heures sur genre Blox Fruits etc, c'est trop, c'est beaucoup beaucoup trop. Et ce jeu était bien, de souvenir. On va voir si c'est toujours le cas. Alors j'ai de la chance, je suis sur un serveur privé parce qu'il y a plein de mes abonnés dans mes amis Roblox qui ont acheté des serveurs. Et non, vous ne pouvez pas rejoindre mes amis. Je vous vois venir, j'ai des commentaires de temps en temps qui me demandent encore. Mais comme depuis des années, je suis full. Ça n'a pas changé, j'ai toujours pas de place dans mes amis. Il n'y a que 200 places sur Roblox, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas important, ok. Bon, pour l'instant, le combat de base est basique, hein, évidemment. Bravo, bien vu. Mais dès qu'on aura un stand, ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus cool. Donc on va juste finir cette première quête. Et je sais pas si j'aurai directement assez pour acheter un stand. On va checker, on va essayer de voir. Déjà, il y a plein de quêtes annexes, il n'y avait pas du tout ça avant, je crois. Je me souviens pas qu'il y avait un mec ici à côté d'un terrain de rugby. Je ne me souviens absolument pas de tout ça. Donc je pense qu'il y a du nouveau. Alors de souvenir, dans l'ancienne version, il y avait cette map là. Alors je me souviens pas qu'il y avait ce gros bâtiment là-bas. Il y a des trucs qui ont l'air nouveaux. Ouais, c'était pas aussi grand. Ouais. Il y a une différence. Ok, donc de souvenir, on avait toute cette zone. Là-bas, on a le château de Dio, qui était genre le premier donjon. Là, c'était cut et tu pouvais pas y aller et il me semble qu'il y avait une île avec le château de Dio. Non, je confonds avec un autre jeu. Il y avait juste cet endroit là, c'était cut là-bas. Visiblement ça a l'air d'être New York à première vue, donc probablement la partie 2 avec Joseph Joestar comme on dit bien sûr. Mais c'était pas là, donc c'est nouveau, il y avait très peu la dernière fois sur le jeu, c'est normal, c'était un test. Là maintenant qu'il est sorti, je m'attends à beaucoup plus cool. Ok, hop, allez, on fume ce thug. Après on va regarder si je peux mettre des points de compétence quelque part, parce que je sais pas encore. Bam, 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 ok. Et c'est fini. Pourquoi il s'enfuit? Reviens, tu fais quoi frère? Reviens, voilà, ok, ça c'est fait. Première quête réussie. Alors d'abord, oula. Il y a beaucoup de choses. Potentiel. Ok, on va juste fermer ça. Voilà, on n'a rien vu. C'est pas grave. Ouais. C'est beaucoup de choix. Ça fait, c'est énorme. On verra ça plus tard, hein, peut-être. Oh, une flèche de stand dès le début. Merci Jonathan. Tu veux pas le prendre pour toi ce stand? Ce serait peut-être pratique. Ok, let's go. Alors, papa storage, je suppose. Non, pas du tout. Ok. Inventaire. Flèche, use, je vais me planter. Ya yeah. C'est vraiment le truc, faut avoir un mental d'acier pour faire ça. Parce que sa mère, tu sais que logiquement. Oh non, Magician's Raid, vraiment, genre. Désolé, mais genre. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas très très fan de ce stand. Ok, il a des compétences. D'accord. Ok, comment on équipe upgrade? Je peux upgrade, mais je sais pas. Comment ça marche? Fire Slam, mais comment? Appuie sur Q pour invoquer. Left Control, je comprends rien. Là, il y a marqué E, R, G, C, X, blablabla. Bla, bla. Pourquoi il y a cette compétence-là qui a rien? C'est étrange. Je ne comprends pas trop. Peut-être que c'est juste mon corps à corps. On dirait que non. On dirait qu'absolument pas. Peut-être que c'est mon M2. Ah, ok, c'est mon clic numéro 2. Ok, après, on a un lance-flamme, visiblement on a tout le début. Le feu est plutôt cool. Après bon voilà, c'est Magician Dread. J'aime pas trop le stand en lui-même, mais ça fera l'affaire. Après G. Ok, pas mal. C, c'est un dash. Oh, un dash de feu, ça c'est plutôt cool. X, c'est un projectile. D'accord, je peux pas en lancer à l'infini. Et V,
c'est logiquement mon ulti que je viens de rater. Il va falloir attendre 40 secondes pour le réutiliser, c'est super. Ok. Blablabla, il y a des choses mal qui sont arrivées. Mon frère a capturé mon chien. Il était vers le four la dernière fois que je l'ai vu. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça un hot dog. Alors, c'est parti, let's go. Dio, sale fils de pute. Ah, j'avais oublié ce moment de l'histoire et c'était très bien. La porte est bloquée, mais tu entends quelque chose à l'intérieur. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que c'est juste le feu qui crépite qui fait ce bruit. Peut-être qu'il n'y a rien de mauvais qui vient de se produire et qui est extrêmement horrible. Non, il n'y a rien du tout. Allez, ouvrons ce four. Qu'y a-t-il là-dedans? Tu utilises la clé pour débloquer la porte, libérant Danny. Où est Danny? Où est Danny? C'est là. Ok, je pense qu'on sait tous où il est passé. Hein. Je pense que... Déjà, genre, on dirait une niche et il y a du bois. C'est genre une niche cheminée. Voilà, bon, écoutez, il y a des signes qui ne trompent pas. On sait tous qui... En plus, j'ai un stand de feu, donc j'étais peut-être pas la meilleure personne pour le sauver. Bref, alors... faire quoi, là? Faut taper les buissons. Ah, il y avait carrément pas ça avant, je me souviens pas de cette quête. Ok, c'est parti. Le jardinier le plus métal que vous ayez jamais vu. Let's go. C'est comme ça qu'on jardine. Let's go. Dégage-toi. Allez, hop. Bam, 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 bam. Et voilà, j'ai jardiné. C'est comme ça qu'on s'occupe de tailler les buissons dans Jojo. Ah mais sa mère, mais le thug il tape les buissons aussi, tu fais quoi là? Eh oh, y'a que moi qui fais ça. Ok. Bon, finissons cette quête, on va arrêter de papillonner, de faire n'importe quoi. Oh merci beaucoup, prends ce fruit, un fruit. Ah, le loca fruit, oui, ça permet de reset. Et c'est tout, ça permet pas de reset juste dans le coin de Jojo. C'est dans la partie qui est pas encore sortie en animé, donc je sais pas ce que ça fait. Mais je suis sûr à 99% que ça n'a aucun rapport. Il me semble que ça avait un rapport avec des hommes de pierre, je sais pas. Écoutez, je me suis fait spoil des trucs mais sans même comprendre ce que ça voulait dire. Donc est-ce que c'est vraiment un spoil? C'est un vampire, Dio Brando, blablabla, va parler à Zeppeli. Alors, de souvenir, Zeppeli, il va me dire: frère, tu pues la merde, tu vas pas pouvoir affronter Dio maintenant. Donc non. Il me semblait aussi, alors là peut-être que je confonds encore avec un autre jeu, parce qu'il y avait eu aussi d'autres jeux de Jojo assez cool qui étaient sortis récemment. Je crois qu'on peut avoir le Amon à la place d'un stand. En même temps, je suis pas persuadé à 100%, donc essayons. Je suis pas sûr que ce soit ce jeu-là. Retrouver son jus de fruits préféré, d'accord. Alors, je sais plus où c'est, mais je suppose que c'est par là. Ok, ouais, ok. Nickel, on dirait que c'était ça. Allez, bonjour, William Zeppeli. J'essaie d'appeler sur A pour dasher à chaque fois, c'est pas la bonne touche. Quête, blabla, test, Jonathan. Ok, faut que je reparle à Jonathan. Ok, d'accord, super, génial. Il faut que je lui reparle. Il était pas là tout à l'heure, il vient de spawn. Bonjour Jonathan, blablabla, histoire pas intéressant. 4 tugs et un tug fort, d'accord. Bah, on va essayer avec mon nouveau stand. Ok, bon, ça fait 0 dégâts, ça c'est pathétique, très bien. Attends, mais c'est un peu. Oh non, c'est nul! Je viens de comprendre que mon lance-flamme, en fait, c'est mon aura. Sauf que du coup, c'est juste un lance-flamme. Regardez, c'est éclaté. Ça, c'est ma rafale. Ça, c'est mon aura aura. Et à la fin, il met un gros punch. Donc ça se voit que c'est un aura. Mais ouais. Je suis déçu. Je suis déçu, la vie de ma mère. J'ai pas de aura, j'avais pas pensé. Bon, allez, dash. Ok, ça fait des bons dégâts en vrai. Ça, c'est de la qualité. Hop là. Bim, bam, boum, bim. Hop, il est mort. Plus qu'un tug. Ok, ulti. On essaie l'ulti. J'espère qu'il est frais. Cinématique. Et c'est pour ça que le jeu était bien avant. Let's go! Bam! Ok, c'était juste une explosion. J'aime vraiment pas Magicien Thread. Et bah, dès qu'on peut, je change de stand. Parce que non, je ne garde pas celui-là. Je préférerais même avoir genre Hierophant Green que Magicien Thread. D'autant plus qu'en vrai, il est assez OP. Si tu considères les pouvoirs que Kakyoin claque au début, c'est quand même l'un des fruits les plus OP. Genre, on va pas se le cacher. Si Kakyoin était resté méchant, qu'il avait pu continuer à contrôler les gens, c'était trop fort. Ok, let's go, Jonathan, bonjour. Je finis la quête, blablabla, blablabla, mastery. Oh non, il faut que je... Ok, stand mastery. Donc ça, je peux upgrade. J'ai 6 skill points. Est-ce que j'upgraderai pas mon ulti? Ah ouais. Vas-y, upgrade. Il se passe rien. D'accord. Ok. Peut-être que je peux pas. Peut-être... Il y a marqué 0 sur 100. Ah, je crois que je comprends. Ok, j'ai capté.
Il y a des quêtes, des espèces de quêtes avant de pouvoir level up tes trucs. Ok, pourquoi pas. Donc là, vu que j'ai bien slidé, je vais pouvoir upgrade mon slide. Ah, en vrai, pas mal. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ok, c'est plutôt frais, c'est plutôt frais. Comme ça, on aura des petites missions. Ça va être chiant, level up, mais en même temps, au moins, on a un objectif. C'est pas juste level up. Il y a un petit truc en rab, c'est cool. J'aime bien. Ok, alors, faut parler à une personne dans l'allée. Ok, qui ? Toi, tu es bizarre et tu es dans l'allée. Alors, bababibabou, c'est un enfant, il fait la tête, il fait « Oh, moi je suis pas un enfant, j'ai 12 ans !» Oui, allez, c'est casse-toi de là. Alors, désolé à tous les gens qui ont 12 ans, désolé, mais bon, voilà, j'ai 21 ans, j'ai littéralement l'inverse de votre âge, t'inverses les deux chiffres, c'est moi. Alors, continuons, mais où est le mec bizarre dans l'allée? C'est qui? Je sais pas. Je sais pas. Qui est chelou et qui est dans une allée? À l'heure actuelle, je ne vois pas. Je pense que c'est Speedwagon. Mais bonne chance pour le trouver, quoi. Je sais pas où il est. Peut-être là. Non. Et il est où? Il est... Oh, attends, il y avait pas ça avant. C'est quoi ça? C'est toi, tu es vraiment l'élu. Est-ce que c'est possible? Mes visions, elles étaient si terribles. Mon nom est Valentina. Un shinobi. Une shinobi? Pas important. Un shinobi qui a été forcé dans ce monde, d'accord? Depuis que je suis arrivé ici, j'ai eu ces visions et je t'ai vu. Tu es l'hôte de la prophétie, c'est toi. Tu es la seule personne qui peut changer ton âme, blablabla. Ouais, allez, je suis l'élu, c'est bon, on a compris, menu, blablabla, upgrade, rien à foutre. Upgrade ou potentiel. Ah bah c'était toi le mec bizarre de l'allée. Ah bah ok, oh cool. Ah non, donc potentiel, ok, bon, il va falloir... Il va falloir regarder ce menu. D'accord. Comment ça marche? Potentiel level 14. Où est le début? C'est là le début? Ok, on dirait. Je comprends pas tout. On va essayer de comprendre. Ok, donc déjà j'ai compris que ça, je peux l'upgrade. Bam. Et là maintenant, alors j'ai eu une flèche. Déjà. Et je crois que ça a augmenté mes drops. Ou pas du tout. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Là j'ai acheté une flèche. Elle est mieux ou pas? Next reward à level 5. Donc oui, elle est mieux. J'ai upgrade la flèche. Donc logiquement, j'ai plus de chances d'avoir un bon stand. Ok, storage. On peut pas encore store. On peut pas stocker. Est-ce que je claquerai pas quand même? Mange ce fruit pour gagner quelque chose, mais perdre autre chose en retour. Est-ce que je peux juste me stab? Non, donc faut que je mange le fruit. Vas-y, nique sa mère, Magician's Red. Tant pis si j'ai un truc éclaté en échange, je veux pas garder ce stand, je l'aime pas. Ok, je suis mort. Bon, ce que j'ai gagné, c'est le type spectre comme dans Pokémon, mais j'ai perdu la vie, c'est pas très pratique. Ok, je me plante maintenant, c'est vraiment... Le jeu, tu te plantes, tu te suicides, c'est vraiment... C'est chaud. Ok, j'ai... Echoes? Je crois que c'est Echoes, ok. Donc c'est Act 3. D'accord, ok, stand mastery, d'accord, attendez, j'aimerais juste virer ce message qui est en dessous là déjà, potentiel, dégage ce truc, dégage, allez, ouf, ok, donc, j'ai clic droit, d'accord, c'est une vague d'énergie, le E, c'est un aura aura, et là il est stylé, merci, enfin c'est pas Magician's Red, le R, c'est une onde de choc, ça n'a rien fait, ok, j'ai pas vu, c'est un jump, pas mal, no joke, jusqu'ici, j'aime bien, jusqu'ici, et cause, act 3, n'est pas trop mal, bam, 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 ok, c'est quelque chose, d'accord, X, c'est un projectile, est-ce que là, il est ralenti, du coup, je sais pas, non, il est en train, attends, je fais de la gravité, il fait ça, et cause, pas dans mes souvenirs, ok, gravité, non, cache-toi, j'ai pas compris, c'est un projectile, je suppose. Ok, on va ulti maintenant. Ult. Viens. Bam. La gravité. Bam. Bam. Ok, bam, 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 bam. Ok, bah, arrête. Arrête le pauvre. Il a rien demandé. Bon, l'ulti, il est bien. Il est ok. Mieux que Magician's Red, mais après, je suppose que Echoes est un stand commun. Parce que les animes sont pas non plus des dingues. On va pas se le cacher. C'est bien. Mais c'est pas un Star Platinum, quoi. Ok, par contre, je vais crever. Je regardais pas mes PV depuis tout à l'heure. Casse-toi, oust. Allez, oust. Bam. Par contre, j'ai plus de dash. Ça, c'est un problème. Ok, il est mort. Stand level up. On va aller du coup maintenant dans le potentiel pour de vrai. C'est quand même ma quête. Vie.
Unlock. Ok, j'ai débloqué la vie. Comment on fait? C'est vrai que passif. Il y a même des passifs. Oh, des passifs. Gold. Quoi? Pour avoir plus d'or. D'accord. Ah, Worthiness, c'est ça pour upgrade les flèches. D'accord. Unlock. Ah, ils sont là, mes points. Bah, j'ai plus de points. Voilà, j'ai tout claqué. J'ai plus de vie et j'ai de meilleures chances d'avoir un bon stand. Ok. Dac. Du coup, ça, le truc upgrade, en fait, c'est juste pour acheter des flèches. C'est pas une upgrade. À moins que... Attendez, je suis en train d'essayer de comprendre le système. Ah, je crois que upgrade, c'est pour level up mon niveau. C'est pour level up mon potentiel. Je suppose que c'est comme ça que j'ai gagné des points de compétence. J'imagine, c'est compliqué. Je comprendrai un jour. Allez, je comprendrai peut-être un autre jour. Un autre jour, allez, c'est pas grave. Ok, Valentina, bonjour. Tu l'as fait. Tu es le machin, j'ai oublié, l'hôte. Les visions étaient réelles. La prophétie, arrête de skip mon dialogue, c'est super important. Non, bah les couilles. Oh, un nouveau standard. Ok, ok, ok. Est-ce que je sacrifie Echoes? Est-ce que je sacrifie? Est-ce que... J'hésite. J'hésite parce que si jamais j'ai un stand éclaté, ça fait du contenu, quoi. C'est le contenu. Le ruiné, ça fait du contenu. Vas-y, vas-y, allez, je ruine. Vas-y, c'est bon. Bah les couilles. C'est ça, le contenu. Je vois venir les commentaires. Ah bah non, Echoes, c'était trop fort. T'aurais pas dû. Oh, tu t'es fait avoir... On est là pour le contenu, mesdames et messieurs. On est là pour se planter avec une flèche 5 fois dans la même vidéo. Bam. Ok. Bam. Allez, un stand de ouf. J'y crois. Le contenu. Il est là, le contenu. Il est juste ici. Non. C'est... Ouais. Je sais pas si je suis heureux ou triste. Genre, vraiment, je suis partagé, là. Après, ça fait... C'est drôle, mais en même temps, je sais pas. Je suis vraiment perdu. Ok, bon, blablabla, la quête de Speedwagon, je m'en souviens, il faut monter sur les toits pour retrouver son chapeau, je m'en souviens très bien. Let's go. Ok, est-ce que mon stand a reset d'ailleurs? Attendez, stand mastery? Ok, oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui, je crois. Je crois que oui. Bah, c'est la vie, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Attends, j'essaie de lire mes trucs. Tape, pull l'ennemi vers le haut, blablabla. Hold, charge, naoe, qui augmente la taille de... Oh, c'est compliqué, cause. Vous savez pourquoi je veux Star Platinum? Parce qu'il n'y aura pas une compétence qui fait soit un projectile, soit une AOE, soit, je sais, app. Ok, donc ça, c'est l'AOE. Ça veut dire que soit je peux sauter sur les ennemis, soit je peux... Je comprends rien. C'est trop de... Il faut un cerveau pour utiliser ce stand et ce n'est pas mon cas. Est-ce qu'on peut me donner genre The World? Je sais pas. Oh, un coffre. J'irai là après. J'irai après parce que ça se trouve, il y a une flèche dedans. Ok, le chapeau. Bonjour, Speedwagon-san. Ah, et en plus, il a récupéré son chapeau, le petit détail. Alors, va fumer 3 de mes employés. D'accord. Ok, d'accord, Speedwagon. On en est là. Tu sais, si tu veux les virer, tu peux juste le faire. On n'est pas obligé de les tuer. Ça peut marcher aussi. Ok, donc, allons d'abord checker le coffre. Je suis curieux. Tiens, pourquoi il y a du fruit, du jus de fruits? Peut-être qu'il y avait plusieurs jus de fruits et que j'ai juste eu de la chance de tomber sur le bon dès le début. Ok, non! Je vais y arriver. Je suis un expert. J'ai fait des jumping puzzles sur tellement de MMO. La vie de ma mère. J'ai joué à des droppers ou je sais pas quoi sur Roblox et sur Minecraft. C'est pas ça qui va me battre. Ok, coffre. Y'a quoi dedans? Y'a quoi? Une flèche. J'ai pas de fruits. J'ai pas de rocacacacaca. Mais j'aimerais beaucoup en avoir un. Mais il faudrait déjà trouver un autre coffre, je pense. Non, est-ce qu'on fouillerait pas pour un autre coffre? Est-ce que je regarderais pas vide? Je ne vois rien. Y'a pas de coffre. Mais peut-être qu'il y en a un caché. Peut-être par là. Oh, je sais, je suis game designer dans l'âme. Ok, rare token. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'en veux pas. Je veux pas un token. Je veux un fruit. Je cherche une pomme. J'ai l'impression d'être sur One Piece là, chercher des fruits. Où sont-ils? Où sont les fruits? Je les veux. Je les vois pas. Il y en a peut-être plus. Hein. Ouais. Il y en a peut-être plus. Ouais. Peut-être dans le cimetière. Cimetière, c'est un endroit un peu loin. Bon, c'est pas grave. Fumons les sbires de Speedwagon. C'est pas grave pour les fruits. Aïe, non, arrête. Arrête, juste jump. Ce jump, il touche jamais.
Je n'y arriverai jamais à le placer. Ok. Onde de choc. D'accord, c'était nul, bravo. Bravo à tous. X. Ça fait une bombe. Ah, si je rappuie, ça attire les gens. Ou ça explose. Ah, c'est à ça que ça sert. Et certaines compétences, je sais déjà que je les leveloperai jamais. Genre, le aura, il est bien. Cette attaque-là, l'onde de choc, ça passe. Mais celle-là, là... Genre, tu peux être sûr que j'y toucherai jamais. Tu peux être sûr que j'arriverai jamais à battre quelqu'un avec. Celle-là aussi, là. J'aime pas trop. Je suis pas fan. On sait déjà que je vais spammer les mêmes 3 compétences H24. Je suis mort. Oh, le bolos, je voulais ult. Ok, c'est pas grave, on y retourne. J'ult et on le fume. Est-ce que je peux level up mon ult d'ailleurs? Pas encore. Faut battre 2 joueurs avec mon ult pour l'upgrade. Oh, mais j'ai pas envie de PVP. J'aime pas le PVP. Me forcez pas, s'il vous plaît. Après, je sais très bien, je suis youtubeur. Le PVP, là, on me demande de tuer 2 joueurs avec mon ult. On sait très bien que ça sous-entend trouve 2 abonnés qui vont se mettre le low life pour les achever. Et on sait très bien que pour 99% des gens, ça va être tuer un AFK ou trouve un pote qui a envie d'AFK ou crée un double compte que tu tueras. On sait tous que ça va être ça. On sait tous qu'il y a genre personne qui va réellement le faire en PVP. Allez, bam, 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 bam. Ok, ça fait vraiment pas de dégâts pour l'instant. J'espère que je vais trouver un fruit assez vite parce que la vie de ma mère, il est un peu éclatax ce stand. Qu'est-ce que... Wouh, Sonic! Je suis Sonic! Ah non! On s'amusait là, on était bien, on était heureux. Bah ça a pas duré très longtemps. Ok, bam, bam, bam. C'est raté. X. Ok, c'est bien, c'est bravo, c'est très... Ah bah attends! Je peux faire un combo? Bah oui. J'ai un très gros cerveau, je sais. Attends, viens. Viens là. Viens. Viens, viens dans la zone. Viens dans la... Trop tard. Bravo, super. Ok, j'ai l'idée. J'ai le plan... Arrête! Stop! Stop plus! Allez, hop! Voilà, on l'achève avec les meilleures compétences, celles qui touchent à chaque fois. Dac. Speedwagon. Ah, ok, 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 ok. Regardez, regardez. Ok, j'ai raté. Je suis déjà allé trop loin. Ok, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Mais en théorie, vous voyez ce que je veux faire? Vous voyez le bail? Voilà. Je peux techniquement faire des combos. Encore une fois, ça demande d'utiliser son cerveau. Et je sais très bien qu'en combat, ça va pas arriver. En combat, je vais juste spammer mes compétences et prier. Hop là, ulti, let's go. Bam, bam, bam. C'est con que j'ai Star Platinum, la vie de ma mère. Elle est longue, cette cinématique, pour pas beaucoup de dégâts. Ok, let's go. M2. Bravo, Echoes. C'était nul. Ça n'a pas fait de dégâts. Aïe. Ok. Ya. Non. Ok. Ya. Touché, bravo, bravo. J'ai achevé avec cette compétence, c'est beau. Ok. J'ai gagné, est-ce que... Non, effectivement, faut que je tue des joueurs et pas vraiment des PNJ. Ok, je peux me TP au pont de Londres, d'accord. D'accord. À part là, Zeppeli pour un plus gros challenge. Donc je suppose qu'après, il faut que je fume les vampires. Et ensuite, Dio, probablement. J'imagine. D'accord. Bon, on a capté à peu près le début. On va se laisser là pour l'instant. Je continuerai probablement un petit peu sur mon temps libre. Le jeu est pas mal. J'espère que j'aurai un meilleur stand. J'irai sur des serveurs pas privés. Principalement pour bla 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 bla. Ouais, principalement pour le voilà pour mon stand. Mais le jeu est cool, le jeu est cool. Juste le début là pour l'instant j'ai des trucs éclatés. Mais c'est normal, le jeu est frais. J'espère juste qu'il se finit pas trop vite. Parce que généralement quand les jeux se finissent un peu trop vite, et bah il meurt très vite. Ce qui est un peu compliqué parce qu'évidemment si ton jeu c'est juste du farm pendant 5 ans, bah il va être chiant. Mais s'il est trop rapide à farmer, eh ben, il va pas fonctionner. Donc c'est toujours un peu compliqué. Moi j'aime pas les jeux de farm, mais en même temps, c'est vrai que ceux qui se finissent trop vite sont impossibles. Enfin, ils ne durent jamais. Après, ils peuvent très bien faire un truc un peu comme Pokémon Scarlet, qui a actuellement des raids de temps en temps avec des Pokémon rares, ou qui a plein d'autres trucs bonus. Voilà, ça pourrait faire ça. Ok, vous avez pas compris ce que je voulais dire, c'est pas grave, je suis un peu perdu dans ce que je raconte, je suis malade, donc je suis paumé. Allez, bisous, et à la prochaine pour la suite.